la Valmorel pour le championnat de France de vol et ski organisé par Elliott Natchez avec la FFVL. On est ravis, c'est un super beau week-end à Valmorel, il fait beau, les pilotes profitent et s'amusent. Je pense que c'est des manches un petit peu difficiles, mais oui, ils prennent beaucoup de plaisir. Les vol et ski, c'est des compétitions, donc ski au pied. On a pas mal d'ateliers à faire, des zones à glisser, des piquets à toucher, des touch and go dans une cible, voilà, il y a plusieurs ateliers divers et variés, donc ça fait travailler vachement le pilotage au niveau de la voile et puis aussi au niveau des skis, parce que dans la pente raide, il faut freiner aussi avec les skis. Donc voilà, c'est vraiment une alchimie, un combo super agréable et très sympa niveau pilotage et une bonne ambiance, en plus on a le soleil, tout le monde est content, on a pu faire une très belle manche avec des ateliers très faciles et des autres ateliers très compliqués. Donc, il y aura un classement championnat de France, vu que c'est l'étape des championnats de France, et un classement open. À côté, il y a aussi des participants, ils sont 7 ou 8 à le faire en biplace, donc il y a un classement biplace et un classement féminin. Là, le premier atelier, c'est 3 piquets à toucher en l'air ou au sol. Après, il y a 3 zones, 3 lignes à couper en glissant. Il y a des débutants de vol et ski, donc ils sont autonomes, ils savent décoller et poser. Sauf que là, bon, bah, ça complique, il y a les skis, il faut faire les ateliers. C'est pour ça qu'il y a des ateliers difficiles et des ateliers faciles. Donc le but du jeu, c'est de décoller et de toucher des ateliers. Et donc à savoir, c'est des piquets à toucher, si possible en l'air. Et si on les touche au sol, ça compte un petit peu moins de points. Des zones de glisse, donc des lignes au sol qu'on doit couper. Et puis à l'atterrissage, des zones où on doit atterrir dans la zone, revoler et aller poser le long de lignes. Voilà, c'est très ludique, c'est des enchaînements. Là, on marque 2000 points par manche et à savoir que chaque atelier, un piquet par exemple, c'est 100 points. Donc ça veut dire qu'il y a une vingtaine de choses à faire, à toucher. Et voilà, il y a une très bonne ambiance et puis on a surtout de la chance, il fait grand beau. Il y a un peu de vent qui ne nous avantage pas trop au début sur la première manche, mais la deuxième manche, le vent a l'air de s'être calmé. Donc les conditions sont parfaites. Donc Valmorel, nous on est vraiment une station parapente friendly comme on peut dire, puisqu'on a deux gros événements, donc le challenge national des pompiers et puis le vol et ski d'Elliott. Donc on est ravis d'accueillir les parapentistes sur notre station. Donc là il y a 54 pilotes sur l'événement qui dure donc tout le week-end et donc avec Elliott qui est un peu le chef d'orchestre pour l'association Nos Petites Étoiles. Et on est bien une bonne vingtaine à mon avis de bénévoles également pour faire juge justement et donc noter à chaque fois les parcours, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils touchent le piquet, quand ils passent les portes, quand ils font les 3-6, les poser 3-6 et donc on est là pour juger, pour noter. Je suis parrain d'une association pour enfants malades et handicapés, c'est Nos Petites Étoiles. L'été on leur organise des journées où on leur ouvre les portes de notre univers, on leur fait faire du parapente, de la chute libre, du planeur, on essaye de leur offrir une petite bulle d'air au milieu du quotidien pas facile qu'ils vivent tous les jours. Et du coup, bah, l'événement maintenant, l'association est vachement maquée avec le monde du parapente et les sports aériens. Et du coup, ils viennent m'aider en tant que bénévole sur l'événement et tous les bénéfices seront reversés à l'association. Comme ça, on peut organiser des belles journées pour les gamins.